Un policier congolais a été tué et un autre blessé par des hommes armés non identifiés dans la nuit de samedi à dimanche à Mukera, dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les assaillants ont aussi kidnappé 5 ressortissants chinois. Ils travaillaient dans une exploitation minière de la localité depuis 4 à 5 mois. 9 autres personnes ont pu être évacuées, selon le porte-parole de l'armée dans la région. L'entreprise minière visée par l'attaque était accusée par les populations de la localité de non-respect des cahiers de charges.